des carrosses qui vont ressortir des dépendances royales, les trompettes de Sa Majesté habillées d'or, les cavaliers qui vont fièrement défiler. C'est un rituel centenaire qui va se dérouler ce vendredi pour le mariage du prince William avec Catherine Middleton. Un rituel totalement anachronique, mais si rare que beaucoup ne le manqueraient à aucun prix, qu'il soit britannique ou pas. On a fait tout ce chemin spécialement pour le mariage. On voulait participer à tout ça. C'est un événement historique. On voulait être là, alors on est venu. On a pris l'avion à Los Angeles, voyagé toute la journée. On est arrivé à midi à l'hôtel. On a laissé nos bagages et on est venu ici. On a dormi ici la nuit dernière et on sera là ce soir. La monarchie britannique, la plus connue au monde, va déployer ses fastes après des mois de répétition pour un événement réglé à la seconde près, en l'honneur d'un nouveau conte de fées qui, elle espère, finira mieux que le précédent. Cette fois, l'épousée a été soigneusement choisie et contrairement à Diana, elle connaît bien son promis. Catherine la roturière incarne avec toute la discrétion qui sied à son futur rôle l'élu d'un prince au passé tragique. Est-ce l'alliance de ces fastes royaux avec ce supposé conte de fées du XXIe siècle? Les ingrédients sont réunis. En tout cas pour un événement médiatique planétaire. Les grandes chaînes américaines ont dépêché des centaines de journalistes et techniciens. 2 milliards de téléspectateurs sont attendus devant leur petit écran. C'est un événement médiatique majeur cette année, parce que c'est un événement joyeux. Tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est tragédie après tragédie, des guerres, des tremblements de terre, etc. Donc beaucoup de gens attendent cet événement avec impatience, d'autant plus que le public et les médias les aiment tous les deux. Le temps d'une journée, chacun pourra se plonger dans ce que la presse appelle une parenthèse enchantée, vraie ou fabriquée. La question n'intéresse plus grand monde, car pas de doute, le spectacle sera au rendez-vous.